Si nous qui sommes ici, j'ai fait quoi si qui est encore parlé? Je suis bien pour parler. C'est quelle ligne d'attente? Prétend. Hein? Hein? Y'a personne ailleurs? Attendez, ça. Pour qui encore? Aide-moi. Et? Regardez mon ami aussi. D'accord? Qui encore? Tu veux qu'on me garde notre argent même? Pour parler. C'est comme gâteau d'argent. Je l'ai mis pas pour toi. Moi, il n'aurait pas eu pas pour toi. Et puis, je n'ai pas eu pas pour toi. Je fais. Et ça, la mise pas pour toi. Un homme a dit qu'il est. Et pour moi, il y a comment? Donne la tête, tu parles. C'est toi, la mise, tu me promets. Tu es capable. Quel est-ce que tu as dit qu'il a joué? D'accord, bien sûr. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ok. Et quoi encore? Je m'en fous aussi. T'es calé sur la yane? T'es comment aussi? C'est sa pomme à la pêche. Tu appelles sa pomme? Non, quand la yane, elle met sa pêche, la tombe. Et puis quoi encore? T'es calé quoi encore? Tu peux dire, tu peux dire, tu peux dire.
Nesse de beijo. Falei. É, Senhor. Merci por ser graça. Falei, falei, falei. É Vitor. Ele fala pra mim. É Não, passe. Tu vas, devant les gens, dorme devant les dieux, devant les dieux, les hommes. Le jour où tu retournes à la société, il faut parler. Est-ce que tu as parlé ? Hein ? Tu n'as rien encore dit ? Qu'est-ce que tu dis ? Il faut répéter, d'abord avant de dire, tu n'as pas dégoûté. Devant Dieu, les hommes, que le Dieu retourne à la main de la société. Ok. Donc ça veut dire que c'est devant Dieu, c'est pas devant une personne. Donc si elle retourne, Dieu va la châtier. Je vais vous dire non, elle a retourné, il n'y a rien. Pourquoi? Dieu, c'est pas son camarade. Je ne manque pas de Dieu. La Bible dit que c'est qu'un homme pourra s'aimer là. Parole est une semence. Ce que tu as semé, c'est ce que tu as récolté. Je sers cette parole-là. Le jour où tu retourneras cette pratique de la sorcellerie, et tu t'en fous toi-même. Tu vas t'enfuir, faire des aveux, mourir. Plus de récompense pour toi. Le jour où tu meurs, pas de funérailles. Celui qui fera des funérailles, lui aussi s'en va aussi dans le monde. Tu meurs au nom de Jésus. Il a été là-haut les expédier chez moi là-bas. Je suis. Ouais-moi. Non, pas les points. Là, ça va vous aider psychologiquement. Si vous les regardez souvent, c'est pas bon. Demain matin, prier bagage à Lazare. Et toi psychologiquement où ça vous aide. Hein, les voyants même. Nous allons sans prier le Seigneur. Ouais, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on appelle la consécration? À son amour. On le laisse mon amour pour lui. Envoyez-le, Sodo, envoyez-le, là-bas. Il faut aller au Sarazaroko. On se demande à quel Noko, il est gagné. Amenez-la demain. Il m'a. Non, où est-ce que c'est? Attention. Non, allez à Zaroko, c'est bon. Non, Yasso, c'est bon. Elle a une semaine à nous. Elle est partie. Mais il m'a accolé bien. Il est gagné. C'est prends la bouteille, prends la bouteille. Parlez à la bouteille, je vais vous excuser. Tu sors de chez elle, elle a juste à l'établir. Amen. Lève-toi. Attention. Attends.
Quelqu'un travaille. Faut te masser avec. Nous allons prier. Maintenant la semaine, si cette semaine passe, l'autre semaine, je vais venir maintenant prier pour la cour. Qui avec lui. D'accord. On va étape par étape. Que personne ne vous effraie. Vous êtes devenu chibouillant empoisonné. Voilà quelqu'un qui va vous manger. Si vous avez envie de manger, donc allez manger les fous dans la rue. Ils sont sans propriété, donc allez les manger. Amen. Dieu vous protège. Nous te rendons la gloire et nous voulons te bénir pour cette délivrance. Éternel notre Dieu, et c'est un nouveau départ avec toi. La Bible déclare que si l'Éternel est pour nous, qui sera donc contre nous. Nous te remettons la destinée de chacun. Que cette famille amplement conduise cette destinée, Jésus-Christ, qui compte sur ta main. Et nous savons que quand tu commences, tu achèves le Seigneur. Et que tous ceux qui vont vouloir encore détruire ce que tu as commencé, qu'ils soient livrés à ton jugement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce qui a été programmé, je déprogramme dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et programme là-bas au nom de Jésus. Amen. Et programme l'accident au nom de Jésus. Amen. Et programme le célibat au nom de Jésus. Amen. Et programme la pauvreté au nom de Jésus. Amen. Je proclame sur vous la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je proclame la bénédiction, la santé, la longévité. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. La richesse dans le nom de Jésus. Amen. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, on dit Amen. Amen. Dans laquelle Dieu bénisse. Amen. À partir de demain soir, au de cette nuit plutôt, vous prenez le psaume 91. Pas celui qu'on a écouté, 91. Vous reprenez ça 7 fois pendant une semaine. Avant de dormir. Avant de dormir. Vous avez fini le psaume 91 7 fois. Toutefois, avant de dormir, le psaume 4, verset 9. Reprenez ça. 4, verset 9. Je me couche, je m'endors en paix. Quand vous reprenez ce psaume-là, ça finit de devenir invisible. Amen. Je vous donne le secret. Si vous l'avez oublié, c'est dangereux. Le psaume 4, verset 9. Moi, c'est mon secret, ça. Le psaume 4, verset 9. Après une semaine, vous reprenez ça. Toutefois, vous êtes quelque part. Moi, de dormir, reprenez ça. Que Dieu bénisse. Amen. Les bouteilles-là, à partir de demain, vous marchez avec ça. C'est-à-dire, vous versez ça sur vous. Vous prenez le son 35. Avant de dormir. Voilà, avant de dormir, ça nettoie beaucoup de choses. C'est une action. Je vais demander, quand vous avez parlé du son 91, donc, est-ce qu'on fera le son 35 et le son 91? Non, non. Toi, tu fais carrément le son 35. Voilà, non, toi qui as la bouteille, tu ne touches plus une bouteille la nuit, voilà. Tu fais seulement. De 91. Maintenant, ceux qui vont utiliser le français. C'est comme un traitement. Dans le psaume 4, vous finissez le truc. Une semaine après, vous commencez maintenant. Tout le monde dit le psaume 4, verset 9 avant de dormir. Tout le monde. Qui n'a pas vu ta bouteille? Ouais, on se casse. Maintenant.